revoici depuis un avion qui est sur le point de s'écraser depuis maintenant 10 minutes. J'exagère peut-être sur le temps, mais en fait, une petite pause entre temps. Enfin bref, donc on va reprendre avec la bébête qui s'est enfuie. Donc si vous vous en rappelez plus, bah voilà. Il y avait... Oh, il y a un emblème ici. Ah bon, ça oh. Oh, pas mal. Je vais y aller au sniper au cas où. J'ai pas fait compte. Quoi? Attends, ils se foutent de ma gueule, les mecs ils sont assis et tout. Gardez votre calme, regagnez vos sièges et restez-y. Bah ils vont être morts en fait. Ouais, je pense aussi. Tiens, attends, je me demande un truc. Il y a des balles. Aïe. Ah bah ça va, ils gardent leur calme hein. Ils ont pas l'air du tout concernés par la situation. Enfin, une herbe verte. Enfin. Où ça? Où ça? Ah là. Ouais. C'est vrai que c'est, les herbes vertes se feront rares maintenant. Hein. Pour toi. Excuse-moi. Hein. Ouais. Troll. Alors là, c'est les dernières classes, là, je crois, parce que. Une herbe verte. Wow. T'aurais un peu, tu sais, dans le train de Ventune Zero. Je sais pas pourquoi. Ouais. Peut-être qu'ils ont voulu reprendre, mais ils se sont dit, ouais, non, mais un train, ça a déjà été fait. Pourquoi pas un avion? Oh, mais si, regarde là, les salles, si, ça le fait trop, non? Tu sais où il y avait le zombie dans le frigo et tout là. Ouais, la cuisine. Toi, ça le fait trop. Allez. Non, j'ai pas envie. J'ai besoin de mallette là. Ah non, j'ai pas besoin de toi. Ah, il y a des ponts, il y a 5000 ponts ici. Derrière. Reviens. Je peux pas. Putain. Pourquoi il referme lui? Il est con lui. Bon bah je vais oublier 5000 points, super. Ah mais c'est la soute ici. Il faut ouvrir. Oh ah, ça fait comme tu sais comme avec Wesker dans le 5. Qu'on va le faire tomber dans le volcan. Ouais. Donc là la soute elle est pas plus petite. Ça reprend que les trucs des anciens raisons de télé, là faudrait les compter les nombres de trucs. Ça ferait faire, hein, faudrait mettre un compteur, tu sais, en haut à droite, compteur de choses reprises. Bon. Oh là là, c'est devenu beaucoup trop rapide. Coucou toi, oh les mignons, quand même. Waouh, quel swag. Quel swag juste à vous. Il faut péter les trucs sur la droite. Non, non, bah non, justement, on vient d'en réparer un. Merde. C'est pour ça qu'il y a un Bah, je l'ouvre, hein, tu me penses. Non, mais non, t'es gros. Je peux que j'ouvre un truc. Ah oui, ah d'accord. Tank moi. Je suis à moitié, trois quarts, non. Oui, ah oui. Ah oui, ah d'accord. Oh, c'est bon, ouverture. C'est bon, j'active. Non, faut le pousser, non. Ouais. Comment je t'ai remis par terre, là? Bon, quelqu'un peut nous aider? L1. R1. L1. R1. Allez, L1. R1. L1. R1. L... Merde. Excuse. Oh putain, je l'ai pas vu en plus au début. Ça y est, les phases de QTE vont commencer à augmenter. Bon, tu peux penser à fermer avant. Voilà, c'est pas grave. Quoi? Là, il y a tout le monde qui s'est transformé. Empêcher l'avion de s'écraser? Sérieux là? Ah bah voilà. Ouais, je les ai. Ah bah c'est parfait. Tiens, attends, je vais y aller à la grenade. Du coup, c'est quoi? Bah si jamais il y a des zombies. Parce que tu vois maintenant, comme il y a eu du gaz, regarde. Tu vois, j'en étais sûr. Bien pensé, franchement, je dirais pas mal. Attention, barre-toi. Ouais, pourquoi moi? Je sais pas, mais t'es mort. Oh là, la madame, elle est pas contente là. Elle est vraiment pas contente. Elle a du rouge à lèvres et tout. Mmh, t'as beaucoup de rouge à lèvres, toi. T'en as mis trop, je crois. Le rouge à lèvres, c'est mal. Finalement, le magnum, il a servi à rien. Je vais éviter de m'en régénérer parce que sinon, je gâche mes fleurs. Donc... Ça, franchement, c'est vrai que le jeu, franchement, je le trouve sympa. Hein. C'est vachement varié, enfin,
À part que là on s'était tapé en outre pas grave, mais là le coup de l'avion. Disons que ça n'a rien à voir avec Resident Evil, bien sûr, tout ça. Ouais, mais bon, voilà. Ça a quand même vachement sympa. Hein. Vas-y, passe. Faire les points. J'ai balle à récupérer. Ah non, moi je peux. J'adore, le gaz ça infecte tout le monde sauf nous, c'est. Ah, mais nous on est des. On a des nanomachines comme dans Metal Gear Solid, tu vois. Ah ouais, on arrête des bateaux avec les mains, tu vois, de ouf. On peut Metal Gear Solid 4, ça. Ouais. Dans Metal Gear Solid 2, tu meurs avec 2 mm de flotte, et après, quand dans le 4, tu peux arrêter des bateaux avec les mains. Cherchez les rangs. Ah, j'ai besoin de toi, pour bouger un frigo géant. Ah, elle s'est réveillée, la madame. Il y a une madame qui s'est réveillée, s'il te plaît. Bon, ok. On pousse. Poussez, madame, poussez. Je sais pas ce que c'est. Eh ben ça par contre ça commence à m'énerver ça. De quoi? Les phases auxquelles que tu t'y attends pas et que du coup t'as une action, ça casse le rythme. Pourquoi j'arrive pas à dormir en avion? D'accord. Avec des petites blagues de merde soutenues par Lance Scott Kennedy, j'arrive pas à dormir en avion. Ok, ok. Non. Non, je dévalé l'escalier. Attention. X. Alors l'aile gauche est niquée. C'est pas vrai, c'est un cauchemar ou quoi? En ouvrant la porte, vous avez libéré de la pression et déstabilisé l'avion. Léon, tu vas devoir piloter cet avion. Pourquoi moi? Sûr que t'allais dire ça. Oui, je sais, c'est piloté. Après avoir piloté un hélicoptère, maintenant tu passes l'avion. C'est, hein, c'est mon ami Mike qui m'a appris à piloter un avion. Attends, je vais te tanker, ça désolé. D'abord, désactive le pilote automatique pour rétablir les commandes manuelles. Ah oui, il y a des copains. Ensuite, appuie sur le troisième. Attends, ce que je vais faire, C4. Attends. Allez, C4. Non, c'était en haut. C4. Mais non, mais. C4. Ça a attention. Ça rien. C4. Blah. Est-ce que j'ai fait bien faire ça? Essaye encore. Ah, y'a plus rien. Là. Non. Putain, c'est chaud. Mais non. Mais casse-toi. Mais il touche pas. Ok, maintenant tu vas incliner le manche vers la droite. Okay. Oh. Ah, le. Ah, le coup. C'est plus dur que ça en l'air. J'ai plus de balles. Merde. On n'est pas mort. Ah si. D'accord, j'ai pas compris. Tu veux faire quoi en fait? Bah, tourner le manche, mais je crois que je l'ai fait. J'ai mis trop de temps pour le premier, c'est sûrement ça à mon avis. Ah, parce que moi en fait, je devais te sauver. Voilà, en attendant. Vas-y, gâche tes balles hein, pour une fois. Attends, mais j'ai mis du C4 et tout, ça a été compliqué, mais il y en a plein. Du C4 dans un avion, bah c'est pour ça qu'on a pété. Non, même pas, c'était après. Ensuite. Appuie sur le troisième bouton de la quatrième rangée du panneau supérieur. Le quatrième bouton de la vraie rangée. Eh mais entre les deux quoi, ça comment avoir le seum? Il se passe rien. Bah oui mais allez, dépêche-toi. Ça peut marcher. Essaye encore. Voilà. Essaye encore, là. Ok, maintenant tu vas incliner le manche vers la droite. Ok. Vas-y. Mais non, pas ça, la manche. Voilà. Ça c'est fait penser à Resident Evil 0, effectivement. On monte. Oui, on monte, allez. Eh, me faites pas chier ou je remets du C4, hein. Attention. Non, laissez-moi. Non. Sniper. Attends. Attends, merde. Carré. Oui, pas ce bordel. Ah, je crois que c'est bon. Et là. Encore un délire. On va pas mourir. Oh, Aïda. Aïda, non, elle va faire quoi? Non, mais non. Ah. Mais non, c'est trop gros, non. Mais non, faut pas arrêter. Je dois aller là, elle. Mais non. Genre, on va pas mourir. Genre, allez. Là, on va rentrer dans un hôtel, non? C'est ça? Et c'est après qu'il va retomber. Oh non. Genre, on n'est pas mort. Allez. Allez. Bah oui. Puis c'est vrai qu'un avion ça a pas de déflagration, je veux dire comme il y a du feu tout autour, généralement un avion ça a du carburant, et feu plus carburant. Un peu. Recherche du partenaire encore.
Le Hooper aura du mal à vous atteindre sans l'usage de ses jambes, encore. Ouais, enfin, c'est bourré de, voilà, de choses. Non, mais quand même, hey, étudions cette scène avec attention. Aïda sur un train. Bien sûr, Aïda ne peut pas prendre un train comme tout le monde. Elle est obligée de le prendre sur un toit, déjà. Ensuite, deuxièmement, un avion qui traverse la Chine sur le sol, sans exploser, normal, tranquillou. Voilà. Hein, je veux dire, en faisant ça, je sais pas si t'as remarqué, mais il n'y avait aucune circulation. Bon. Déjà, qu'est-ce qu'elle fout là, Ada? Elle avait prévu qu'on allait arriver comme ça, tu vois. Et j'avoue que la Chine, c'est un tout petit pays de merde. C'est pourquoi on a trouvé Aïda sur un train parmi tant d'autres. Voilà, c'est vrai que c'est tout petit, la Chine, entre tout. Voilà, on s'est retrouvés au même endroit. En plus de ça, on sait pas ce qu'elle fout en Chine. Hein. Elle est venue nous rendre une petite visite. Et, ah, tiens, t'es en Chine, c'est marrant. Moi, je venais passer mes vacances et puis, bah, il y a eu des zombies. Voilà. Ah bon, après tout, c'est. Voilà, ça vient de vivre. Ensuite, que peut-on dire? Oui, bien sûr, nos trois héros, enfin nos deux héros, pardon, ne sont pas morts. Hein, bah oui, qu'est-ce que vous croyez? On a déjà survécu à tout. Hein, à une chute de 90 km de profondeur depuis la Terre. Je sais même pas comment ils sont sortis de l'avion déjà. D'ailleurs, là, du coup, il va y avoir le coup de l'hélicoptère supersonique. Léon? Ouais. C'est qui? Alors, je crois que lui, c'est Jane et Birkin, qu'est-ce c'est ceux qui vont dans l'autre campagne. Je suis en pleine mission. Enfin, Jane et Jack, je crois. C'est Jack. Oui. On m'a dit que t'étais devenu agent. Ouais. Je crois. Que tu hein. fais là? Je recherche le responsable, le conseiller de la sécurité, Simmons. Quoi? Tu dois sûrement faire erreur. Je travaille pour Simmons. C'est lui ton supérieur? Nous avons rendez-vous avec lui maintenant. Où est-il? Dis-le-moi. Jake! Recherche de partenaire. Comme par hasard, tu vois, il y a une recherche de partenaire quand il y a deux campagnes qui se croisent, ouais, j'avoue. Laisse-moi gérer ça. Je croyais que t'étais censé éviter les contacts. Tout contact. Léon n'est pas n'importe qui. Il m'a sauvé la vie à Raccoon City. Mais c'est peut-être clair. Je vois. Okay. Ah oh. Oh, c'est pas le... Chérie. Headshot! Et là, il y a tête. Chouing! Wow, c'est. Voilà, hein. Léon, l'avion! Ah, il m'avait manqué! Nemesis! L'ami à toi? Plutôt un admirateur, genre qui nous lâche pas d'une semelle. Nemesis! C'est le Nemesis! Bah ouais, mais je crois qu'il était mort 40 milliards de fois, il était déjà mort à Opération Raccoon City, il Attends, était mort. Qu'est-ce qu'il veut dire Stars? Attends. À Raccoon City! Vraiment, j'ai envie de courir ce mec, hein! Méfie-toi son bras! Son bras! Ok, on fonce! Vraiment très bien. D'accord! What the fuck? Bon, je crois qu'il me prend dans ses bras là. Toi, tu peux pas... Si, t'inquiète, là, il y a des QTE, là. Comment ça vous permet de faire des dégâts? Mais ça, il a encore changé l'idée, je pense. Non, non, non. Lâche-moi. Je t'aime pas. Mais il me lâche pas, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je te boule en fond, non. Mais non. Ah, il me... Oh là là. Attends, je monte à l'échelle, là, je sais pas ce qu'il y a. Ouais, en fait, ouais, c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais me faire démonter. Là, y a des caisses. Des caisses. Ouais, je crois qu'il faut le tirer sur les explosifs. Essaye de le faire venir sur les explosifs. Oh, il monte, merde! On redescend! On redescend! Oh putain, mais. En plus, ça, l'arène elle est bien tracée, hein, j'adore. Là, faut tirer sur les explosifs. Je sais pas, ils ont l'air d'être enfermés dans une cage. 3, 2, mais reste pas devant mais... Ah oui, là. Ah oui, merde, j'avais pas dit. Oh ok, la elle est morte, c'est pas grave. Je notre campagne encore. Il est parti. Il va revenir à mon avis. Hein. Et avec un objet. Voyez-moi, ce type est indestructible. Foutons le camp d'ici. Bon, bah, je crois qu'on peut se barrer. Hein. Dommage qu'on est obligé de les traîner aussi.
T'es un gros bâtard. Par contre, là, niveau munitions, je vais devoir me balader avec une mitraillette maintenant. Wow. Faut aider. Je sais ce que je fais. Qui va aider qui? J'adore, c'est toi qui m'aide en plus. Oh oh. Ok. Mais moi je me le prends, mais non! Mais non! Moi je ça c'est bon ça quand pareil à rapide. Il me tire dessus! Ah non, quoi, il a des. De santé. Non! Bon, on se tape qui? Ah, je vais piloter un train! Un car, non, il est sur moi, non! J'aime pas ça du tout. Ce truc, on va défoncer le mur. Non, j'aime pas ça du tout. Non, non. Va-t'en, non, 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 non. Dépêche-toi, hein. Est-ce que je peux, ouais. Monsieur, il va me faire mal là. Enfin, là. Il est en train de défoncer Jake, mais. Oh! Mais il moonshoot le mec! Mais quoi? Mais what the fuck? Le mec il se pas mouffé un peu. Ah, ça va, il me sauve. Putain. Mais il est sur moi, mais comment tu veux? Regarde le coffre! What the hell? Mais what the hell? Oh, moi! Ah, on va réparer le moteur d'un car. T'as le mec qui voit le moteur pendant une seule seconde, je pense que je peux le réparer. Oh non! C'est quoi ces QTE? Waouh! Premier coup! Eh mais pas facile hein! J'ai une grenade! Ouais! À la rescousse! Ouais! What the fuck? C'est quoi ça? T'aurais pu me shooter, quoi! C'est pas moi qui conduis, c'est elle! Mais heureusement que j'ai été remonté hein. Danger public. Excellente question. Mais à 4, on va peut-être réussir à l'achever. Non, je monte à bord. Hop. En fait, on a peut-être dû faire en sorte qu'il se prenne le truc dans la gueule, non? Je sais pas. Je sais même pas qu'est-ce qui allait se passer à ce moment-là. Mais oui, ah, il est encore sur moi. Viens, il y a la zone de jeu qui s'agrandit. L'arène. Là, maintenant, encore des explosifs. Bah attends... Moi je me prends une balle de vie à fond de son truc là, je perds mais... Non, je suis sur lui. Mais je suis con. Mais non. Ah non. C'est quoi ça? Non. D'accord. Non. Eh mais vas-y, faut vite que tu l'actives le truc. Ah bah non, c'est bon. Attends, je suis occupé là, il me prend un peu dans sa main. Eh, j'ai posé des explosifs là. Oh, oh oui, il y en a plein en plus. Où là la zone de jeu? Vers le bus, derrière le bus. Eh, j'ai plus lu le tapin, c'est vrai ou un truc comme ça? Non. C'est bon, j'en ai un. Viens à côté de moi. Je peux t'aider. À moins que t'aies toute ta vie. Non, j'ai pas toute. Oh, bah ouais. Merci. Je sens tout bon maintenant. Bon, j'en profite pour recharger, mais... Voilà, y'a plus qu'à tirer au bon moment, et puis il va y avoir un joli feu d'artifice, là. Moi qui vous le dis. Ah bah tiens, allume là. Fais gaffe, c'est trop mal avec son fusil à pompe. Qui se rapproche. Putain, grenade de mufle. Allez, avance toi, Nemesis. Putain, mais allez. Oh non, ils s'enfuient là. Il a peur. Ah non. Il s'est arraché le bras, il va se mettre quoi à la place? Ça marche. Merde. Ouais, je suis pas sûr que ce soit très rassurant. Pourquoi tu te barres? Non, reviens! Il y a des caisses. De toute façon, t'as juste à tirer sur l'explosif au bon moment, hein, si t'as pas vraiment besoin de moi. Eh, renseigne-moi! Il va m'attraper! J'avais bien dit! Ah, ça va, il est venu vers toi. Je pensais que c'était une plaisanterie. Voilà, non. Mais on va pas laisser tomber pour autant. Ouais, on va pas laisser tomber pour autant. Ready pour exploser. Attends deux secondes. Je récupère le fusil. Repli stratégique. Attends. De toute façon, je comptais pas tirer. Sauf peut-être sur le mec. Un peu trop tôt, peut-être. Non. Là, je shoot au magnum, genre là, fou. Attends, il y en a encore. Viens ici. Go.
J'explose ? Ouais. Ouais, j'étais juste à côté. Ok, téléportation. Ouais, j'ai vu. Ah ah. Je crois que ça va lui tomber sur la gueule. Enfin, j'espère, du moins, parce que là, waouh. C'était quoi ce team fight ? Ah bah non, c'est son maître. Mais oui, comme si tu esquivais ça en sautant de 1 mètre. Chérie ! Bah, Léon, t'as de la concurrence, attention. Léon, tu me reçois ? Léon, tu me reçois ? Je t'ai perdu quand l'avion s'est écrasé. J'ai repris contact, mais tu ne répondais pas. Le bâtiment dont parlait l'agent Birkin n'est pas loin. Poursuis ton itinéraire, ok ? Merci, merci. Mais je crois que Jake, c'est le fils de Birkin, tu sais, vraiment des messieurs qui ont été importants dans l'histoire de Resident Evil. Ils ont été tous tués. Ouais, voilà. Bah, je crois que c'est le fils ou un truc dangereux. Je sais pas d'où il sort encore. Je joue à Birkin, mais je pense que ça c'est d'être lui. En fait, je remarque quelque chose, mais en fait, les grenades incendiaires ne servent quasi à rien. Je sais pas se faire flamber la plupart du temps sans le vouloir. Je préfère le C4. Oui, aussi. Mais je crois que c'est ça en plus, hein. Chris, je crois qu'il a les grenades vertes. Je sais pas, on verra bien. Hein. Enfin, je sais... Il me semble. Je sais plus dans le sens que oui, j'ai joué un peu, mais. Pour commencer, tu vas devoir traverser le marché en plein air, devant toi. Là où il y a des poulets ? Les poulets vont se transformer ? Ah bah, c'est là qu'il va y avoir plein de gens qui vont s'enfuir. Ouais. Bah, là, on se rejoint où il y a la campagne de Chris. Hein. Par là. Oh la taa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 
Apparemment non, super. Et celle-là, le verrou est derrière. En fait, il n'y a aucune porte qui est ouverte quand même. On peut pas aller de l'autre côté. Bon, voilà, je suis là. Voilà, je suis mort. Il a pas l'air très dangereux le boss, mais. Juste pour faire ça, putain. Bah. Clé du hangar A. Oh, c'est quoi ça? Encore deux, tu vois qu'il y a un monstre qui va se rajouter. Alors cherche pas, hein. Toutes les portes en fer sont visiblement bloquées. Il faut qu'on l'ouvre de l'autre côté. Hop. Pas un sur les decks, il est pas un truc. Oui, d'accord. Oh, un four. Un micro-ondes. Ouais, bah je crois que je pouvais interagir avec, mais non. Ah bah tiens. Là, on peut enlever. Bizarre, je croyais que tout à l'heure que j'y avais été et ça marchait pas. Bizarre. Ah voilà, bah je crois que là maintenant on peut y aller. Mais ici on peut pas. Olé, pam 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 pam. Non, je peux pas ici, merde. Olé. Attends. Je suis en train de jouer avec depuis tout à l'heure. La clé à gauche, essaye de venir. Ah ok, t'as besoin de moi? Pour trouver comment y accéder, oui. Parce que avec là depuis tout à l'heure, je suis en train de. J'ai l'impression de faire du labyrinthe. Mais je sais pas si on peut y accéder ici. On est où là? On est retourné au début, non? Non, le début c'est une porte, là on est carrément à l'opposé du début. Bah si là, ce début c'est qu'il y avait des poules et tout. Mais. Ah ouais. What the fuck, comment on fait pour aller à l'autre côté là? Bon, oublie-le là. Là ici c'est bloqué. Là ici il y a un chemin, il mène où? Là ici c'est. Chiant, c'est qu'il y a des petites mains en sol là. Là ici c'est où j'ai été tout à l'heure et que ça servait à rien. Mais. Je comprends que dalle là, je suis paumé. Entre guillemets, je comprends que dalle. Ah regarde, là ici il y a une échelle mais tu peux pas y accéder parce que la porte elle est fermée. Bien sûr t'es trop con pour ouvrir une porte. Alors à moins qu'il faut poser la première clé, je sais pas, hein, peut-être. Oh mais ça ce serait gros là quand même. Voilà. Tac. Check. Non. Tu vas me dire que maintenant on peut ouvrir la porte. Non, pas la porte. Mais... Ah, oui, ça dépend de laquelle tu parles. Quoi. Alors là, je suis dans un truc avec des fours, avec de la viande. Ah bah voilà. Voilà. J'en suis à la deuxième clé. Ouais, bah en fait, si, il fallait juste déposer la clé pour ouvrir un autre passage. Il y en a un deuxième qui se réveille. Moi, il est en train de me bouffer. Ah, il est assis sur moi. D'accord. Je vais me faire un bisou. Non. Faites des positions. Oh les couilles. Ah. Je l'ai coupé en deux. Oh non, j'ai besoin de ton aide pour faire un saut assisté, ouais. Moi j'ai enlevé une barre là. Oh, j'ai trouvé un emblème de serpent. Je crois. Ouais, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure, je crois. Bah vas-y, viens avec moi. Je suis juste au-dessus de toi. Comment je monte? Il y avait une échelle derrière. Une échelle. Ouais, voilà, par là. Elena. Regarde, ici. Non, mais elle s'assoit par terre. Regarde. Qu'est-ce que... Oh non, il vient sur moi vite le monstre. J'ai pas paru lui monter. Merde. Merde, je suis juste là. Mais hé, je suis bloqué. Ah ça y est. Là, je monte. Coucou. Ça part le saut, vas-y. Fonce. T'étais où? Je suis okay. À côté. Oh, oh. Bah salut hein. Je vais avec le mob. Dans la merde là. Bon, allez, je me barre. Bah, à toi de récupérer l'autre clé alors. Ouais, je pense que c'est à toi de l'aller la récupérer. Hop. Donc tu me dis si tu l'as. Hein. Non, il y en a un deuxième, mon autre.
Là, je te l'ai dit que j'en avais activé un deuxième. Tiens, là, ouvre la grille. Ouais. Enfin, un autre qui se transforme. La grille ici. Attends. Ok, il y en a une. Ouais, ok. Attends, je vais l'où. C'est bon. C'est bon. Entendu, c'est bon. Juste à côté, t'as besoin de gueuler, non? Salut, ça kiffe. Elle est dans le mur, je la vois dans le mur. Elle est là. La porte à deux. Ah, ok. Ah oui, non, elle est pas dans le mur, elle est dans une baraque. Coucou. Mais après, je me casse. Ah, il y en a un qui a la tête dans les chiottes. Il y en a beaucoup là, il y en a beaucoup. Vas-y, on se casse, on se casse, on se casse. On se casse. C'est pas par là. Encore. Putain, mais non, pourquoi les clés elles sont là, quoi. Putain, dans un endroit. En Chine, pour ouvrir une porte. Putain. Pour ouvrir une porte, faut que t'en ouvres 50 000. Léon, Léon, j'arrive. Allez vite, Léon. Oh, putain. Ça me fait marrer. Bon, bah voilà, hein. Tout ça pour ça, quoi. Ouvrez une porte et refermez derrière. Ouh. Oh, vas-y, on saute dedans, là-dedans. Oh, ouais, je vais le mettre dedans. Je vais le mettre dedans, je suis sûr. Non, il va me mettre dedans. Les cheveux. Non, non. Et moi je peux rien faire. Tire dessus, tire dessus. Je peux rien faire, y'a. Non, non. Non. Oh mais non. Ah ça c'est beau ça. Oh, oh moi le monstre est mort. Non mais j'adore parce que t'as la mort qui continue et tout. Ah c'était beau ça. Ah. Ah mais après faut que tu... Oh putain. C'est dégueulasse. Ah mon dieu. Ah c'est dégueulasse. Ah ouais là je vois. Ketchup le... Ketchup. Mais tu vois Léon tu sais qui regardait, tu sais. Attends, passe en premier. Voilà, c'est toi, maintenant c'est toi qui va t'amuser. Hein. Voilà, tu vois ça marche. Non. Je suis mort. Eh mais putain fallait le faire vite hein. Ouais, ouais t'as vu. Bon bah maintenant t'as ton tour de crever. Oh putain. C'est dégueulasse. Et toi t'es en train de regarder, j'adore. Bah toi aussi t'avais fait ça avant. Non mais ce que j'ai dit c'est pendant le pendant la vidéo, moi j'étais pas en train de regarder, je tirais mais il se passait rien, ça servait à rien. Oui voilà. Bon bah vas-y hein, maintenant que je sais que c'est R1. Ouais moi la première. Ah nous deux. Oh non c'est pas c'est abusé là. Tu dois faire le R1. R1. Wow. Putain, c'était rapide. Je suis comme un con là depuis tout à l'heure. La voix. Oh, regarde, oh, ça ressort. De quoi? Une grosse bouge. Il faut pas rater ça. Ah ouais. Ah, oh, c'est rigolo. Ouais, enfin, c'est mal fait parce que le bac il se remplit pas, mais bon. On t'en veut pas. Tiens, on te met dedans pour voir quel effet ça fait. Putain. Hein. Allez. Non mais j'avoue, là, le R1, fallait faire vite, hein, putain. Putain. Mais c'est vrai que c'était abusé, quand même. Surtout que moi, j'ai évasion, donc normalement, ça devrait me laisser plus de temps, mais non, même pas. Oh non, encore. Puis tu sais, on est habitué à avoir les trucs lents, super faciles, puis là, ça nous saute à la gueule comme ça. Hein. Ça on va retrouver des gens. Super. Non, mais maintenant, tu sais qu'il peut y avoir des trucs comme ça, ou c'est peut-être, ça comme c'était le début du jeu, c'était peut-être au ralenti, ou c'est pour être facile, être comme ça. Je sais pas. Bon bah, on se fait chacun charcuter la gueule. Bon bah attends, tu sais quoi, je te propose qu'on reprend juste après ce chargement là alors, hein, dans la prochaine vidéo. Ok, ça marche. Allez, ciao ciao. Salut.